Nathan, 10 ans, a donc fait sa toute première rentrée scolaire en 6e ici au collège Roland d'Angelès, dans le 18e à Paris. Rentrée avec une petite appréhension, il faut dire que c'est tout nouveau pour lui, il ne connaît pas l'établissement. Son papa, au moment de l'accompagner, était un petit peu plus serein et tentait de le rassurer. Je vous propose d'écouter leur réaction à tous les deux au micro de Guillaume Klein. Ça va, je pense que c'est Nathan qui l'est un petit peu, mais quoique il a l'air assez détendu, un peu comme moi d'ailleurs, c'est pas notre première rentrée donc... ça va, on connaît en plus l'établissement et on connaît la directrice, on connaît un peu tout le monde ici et c'est vraiment sympa. Je suis avec les grands mais ça va parce que dans 2 jours il y aura déjà mon frère, mais là je commence un peu à m'habituer un peu dans la cour et pour l'instant ça ira je pense dans l'année. Comme Nathan, ce sont 120 enfants qui sont entrés en 6e ici dans ce collège tout à l'heure. Au programme de cette matinée, la rencontre avec le professeur principal qui va leur distribuer leur emploi du temps. Et il y aura même une visite guidée du collège pour que les enfants puissent se familiariser avec leur nouvelle école. Une matinée de rentrée assez courte, hein, dès midi et demi, les enfants pourront rentrer chez eux. Ils seront libérés pour laisser la place aux élèves de 5e. Demain, ce sera au tour des 4e et des 3e. Et dès mercredi, le début des choses sérieuses, les 400 enfants vont commencer à bûcher sur le programme scolaire accompagné de leurs 35 enseignants.